J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs, scoops et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Du coup, je m'arrêterai juste aux commentaires que j'ai mis avant par rapport aux autres là, parce qu'en fait ils sortent 2-3 vidéos sur moi par semaine. C'est un peu ma quotidienne en fait, vous voyez, c'est mon rituel du matin, je bois mon café et je regarde ce que ça m'a encore pu sortir sur moi, ça me fait rire. Forcément, il a sorti une troisième encore, quatrième vidéo dans la semaine, hein, évidemment, sur moi. D'ailleurs, j'aimerais bien faire la liste de toutes les vidéos regroupées qu'il a pu faire sur moi, ça risque d'être très drôle et de finir par la dernière vidéo, Angèle Marcel. Non, mais c'est du foutage de gueule, s'il vous plaît. Il a essayé de me répondre dans une première vidéo, il s'est fait lyncher par tout le monde, parce que tout le monde a vu clair dans son jeu. Donc il a recommencé, mais cette fois-ci avec l'aide de ses chroniqueuses, en se disant que ça lui donnait un petit peu de force. Hein. Donc la chroniqueuse, hein, Sabrina, qui pleurait il y a quelques mois encore. Allez, range tes larmes de crocodile. Heureusement pour moi, Sabrina, j'ai mis la lampe. L'intellectualité en personne m'explique que je suis stupide. Bah oui, forcément, je suis bête, que j'ai rien compris. Que le procès à télé-réalité, c'était pas un vrai procès de télé-réalité, parce que j'avais pas compris, parce que moi je suis pas très intelligente. Je voudrais juste savoir dans quelle dimension il plane, parce qu'à aucun moment j'ai dit que c'était un vrai procès de télé-réalité et j'ai toujours dit que c'était un débat. Donc en plus, vous mentez ouvertement à la gueule des gens. Je trouve pas ça très correct pour tes abonnés, mon petit Sam, c'est pas sympa. Enfin, j'ai jamais dit ça, et toi tu dis que j'ai dit ça, tu mens. Compris, c'est pas la première fois qu'il ment, n'est-ce pas? Et probablement pas la dernière non plus. D'ailleurs, tout comme ses chroniqueuses, hein, Sabrina, comme je l'ai dit dans le commentaire YouTube, on verra si Sam va encore jouer au dictateur. Il va faire comme sur mes vidéos YouTube et qu'il va supprimer vite, hein, comme tous les commentaires de soutien, comme enfin, voilà, bref. Mais Sabrina, c'est bizarre parce que quand Sam, ton patron, s'est retourné contre nous, t'as envoyé un message à l'une d'entre nous en disant « j'en ai marre de ce milieu de pourri ». On a fait la capture, même si t'as supprimé vite avant. Donc franchement, un conseil, reste en dehors de ça si tu veux pas te faire passer pour la traîtresse de service. Voilà, je veux dire, tu peux juste te taire. Hein. C'est une éventualité, je veux dire, tu as le droit, c'est une option que tu as le droit de prendre, de te taire. Alors, les amis, moi je parlerai plus de ces gens toxiques, vraiment très toxiques. Parce que je vais vous dire un truc, moi, j'ai plus de respect... pour, excusez-moi mon langage, on va dire encore que je suis vulgaire, un connard, qui assume d'être un connard, une pourriture, qui assume d'être une pourriture, plutôt que d'une pourriture qui essaye de se donner l'air d'être une bonne personne. Voilà, ça c'est vraiment un truc, ça me dégoûte. De part, une fois de plus, ça m'arrange, parce que ça va dans mon sens. Un bibou d'amour, oui, toi aussi t'en as marre de ces gens. Non, mais ça m'arrange parce que c'est tellement grillé. Enfin, comme là, voilà, quand je parlais de l'avocat, il en parle évidemment pas, il contourne. Et puis d'ailleurs, au Grand Rex, il était avec Asus. Comme par hasard. Là, je comprends rien, hein, ce temps. Hier, il faisait chaud. Aujourd'hui, il fait froid. Ça va être un des signes de la fin du monde. Hein. Le climat et le bouquin de Samzira. Regardez ça, comme c'est beau. C'est calme. Bon, allez, là, on va partir sur un bon running, un bon footing. Hein, mon vieux. Allez. Il prend son temps. Hein. Alors, mon fils. Alors. Là, il est trop heureux parce que là, je peux lâcher vu qu'il n'y a personne. Il peut courir comme il veut. Hein, mon bibou. Vicky, elle est là.